Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Witty34 en direct de Minecraft. Je voulais vous montrer ma créativité sur Minecraft. Là je suis en serveur solo. Voilà, passons à la ville. Ici c'est la première maison que j'ai faite sur le mode solo. La première, la toute première. Après, comme vous pouvez le voir, il y a une roue, tout ça. Enfin ouais. La salle à manger, bon, des tableaux que j'ai personnalisés. Après, en haut, on a le coin chambre. Dès qu'on peut dormir, et bah, vous pouvez le voir, on voit la télé là. C'est notre télé, ça. Après, petit coin bibliothèque. Et la terrasse. Bon, après, la cheminée qui gâche un peu tout là. Après, j'ai fait un pont pour relier deux maisons. Donc, je me suis dit, tiens, ça a l'air bien tout ça de créer deux maisons reliées. Je me suis dit, bon, allez. Donc, celle-là, on se retrouve dans la deuxième maison que j'ai créée. Coin bibliothèque, encore une fois. Lit d'enchantement, chambre, quoi. Ma pièce préférée pour l'instant, c'est la salle à manger. J'adore surtout son sol. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pourrez me laisser quelques avis du sol. Moi, personnellement, il ne changera pas mon commentaire. Sur ce sol-là, je trouve vraiment bien. Ici, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Des personnes qui ont joué avec moi, je pense qu'ils savent qu'est-ce que c'est. C'est une poubelle avec de la lave. Enfin, par exemple, voilà. Au cas où, comme par exemple, il y a le truc là, il y a le tableau. Et que vous voulez balancer le tableau et que vous avez votre épée en diamant dans la main. Comme par exemple, vous faites une fausse de manip, comme par exemple là, vous venez de construire un truc. Fausse manip. Excusez-moi. Fausse manip. Vous avez envoyé votre truc, votre épée en diamant. Donc si elle serait tombée dans la lave, vous serez là trop blasé, quoi. Et donc, grâce à la trappe, et bah, ça vous permet d'être bien sûr. Enfin, ça marche pas tout le temps, voilà. D'être bien sûr de ce que vous voulez supprimer. Voilà. Après, la boulangerie. Avec le toit qui gâchait tout. La boulangerie qui fait un peu, on va dire, vieille. vous allez. Ce sol-là aussi, je trouve qu'il est bien. Qu'il est assez bien, ce sol, je trouve. Après, il y a la caisse ici. Dans les commentaires, si vous voulez un gâteau, hein, il faut donner 3 dollars. Maintenant, c'est la garde-manger. Notre petit Pikachu qui surveille tout, là. La partie gâteau et la partie pain. Un peu bah, vieux, comme j'avais dit au départ, là. Vieille cave, on va dire. Après, je vais vous montrer ma troisième construction, qui est la bibliothèque. Bon, je peux vous dire, bon, il y aura beaucoup de livres comme dans une bibliothèque. Non, bref. La réception. Salut les filles. Ici, salle de conférence. Bon, pas très discrète. Et on retrouve notre Pikachu qui est tout là-bas. Après, bah, voilà, coin, livre. Voilà. Et après, après, passons au restaurant. Le restaurant, c'est la salle où je préfère. McDo, comme vous pouvez le voir. J'adore McDo. Ici, je veux dire, c'est un peu mon coin où j'aime bien. J'aime bien y être ici. Voilà, il y a beaucoup de lumière, il y a les tables, comme dans un restaurant. Le DJ. Après, ici, c'est le bar. Donc on peut s'asseoir là. Bon, enfin bon. Après vous appuyez. J'avais mis des popos. Des splash. Des potions splash. Qui vous permettaient de. Je mettais au hasard. J'en prenais une au hasard chaque fois. Et c'était bizarre parce que quelquefois je me mettais en mode survie. Limite je crevais tout seul. À la deuxième maison que j'avais fait, j'ai repris le sol, ce sol-là, pour faire toute une pièce. C'est la cuisine.
Donc, comme vous l'avez vu sur ce panneau, interdit au public. Bon, c'est un peu normal, c'est un restaurant. Donc, ici, c'est lavabo, table de travail, frigo. Parce que, regardez, comme vous pouvez le voir là, par exemple, admettons, voilà, je prends ça. Donc, je le mets dans mon frigo. Hop. Après, je fais, bon, j'ai envie de manger un truc. Hop, voilà, vous l'avez directement dans votre main et vous pouvez le manger. Donc, après, passons à l'autre, aux deux autres maisons. Après, je vais vous montrer des coins que j'ai fait. Bon, franchement, quand je m'ennuyais, par exemple. Donc, voilà, ici, c'est la maison que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, la salle à manger, comme vous pouvez le voir. Les gâteaux. Après, bah voilà, la chambre. À chaque fois, vous verrez des coins libres. Donc, après, voilà. Donc, je vais vous montrer l'autre maison qui a encore des livres encore dedans. Bon, je suis pas un très grand lecteur, mais dans Minecraft, je trouve que ça fait bien. Je trouve que ça donne bien. Donc, notre Pikachu et notre petit pingouin qui surveillent. Oh là là, attention. Donc, après, la coin dodo. Après, j'ai fait une mini salle là. Enfin, une mini salle, façon de parler, une mini plateforme, voilà, qui permet de crafter et de lire un livre si vous avez envie. Voilà. Donc, après, bon, ça c'est un sol classique, c'est comme du carrelage, on va dire, par exemple. Et donc, voilà. Là, c'est une salle que j'ai fait. Donc, déconseillé au moins de 18 ans, attention. Bon, au revoir, passons. Donc ici c'est quand je m'ennuyais, un village de PNJ. Bon, je pense que ça, vous savez qu'est-ce que c'est. Un canon, un TNT. Donc regardez, si vous, voilà. Donc regarde, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Putain, je suis débile. Par contre, il ne faut pas tout boucher parce que sinon il n'y aura pas l'eau pour propulser la TNT jusqu'au village. Par exemple, là, vous faites ça. Vous couvrirez jamais le fond. Hein. Et après, vous allumez là. Après, boum! Ça, voilà, ça part pas très loin, lui. Par contre, lui, au contraire, il bombe, on va dire. Donc, voilà. Et quelquefois, je m'amusais. Voilà. Bon, elle part un peu trop. Donc après, pas des poulpes. Après, j'ai fait quelques petits dessins là-bas, tout ça. Donc c'est quelquefois j'ai tellement que je m'ennuyais, bah voilà, j'ai créé ça. Et puis I love you pour vous. Hein. Donc, ici c'est un jeu que j'ai fait pour les zombies. J'espère qu'il y a encore des œufs. Donc les zombies, ils doivent attraper le PNJ. Bon, le PNJ il est un peu con parce qu'il saute dans la lave. Après, ça, les dalles. Je les avais mis tous en ligne comme ça. Merci. Je fais vite fait. Je les avais mis en ligne. Après, le gagnant, bah, c'est celui qui vivrait le vivre. C'est lui qui vit le plus longtemps. Oh. Et comme bah, l'autre, il n'a pas gagné. Voilà. Juste, pas tant. Et voilà, il a gagné le droit de crever. Au revoir. Voilà. Donc après, voilà, c'est mes petits coins où je suis un peu n'importe quoi. Donc, on va finir sur cette vidéo, sur un I love you. Bon, j'espère que vous allez bien. Bah, à la prochaine et prenez bien soin de vous.